Salut tout le monde, c'est Court, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Final Fantasy XV. J'espère que vous allez bien, la France t'es arrêté après. C'était les deux dédales, je crois. Il me semble, ça fait un moment entre guillemets que j'ai pas tourné, ça va faire une bonne semaine. Et pendant cette bonne semaine, j'ai farmé un peu plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Alors, déjà, dans un premier temps, niveau PC, je suis à 346, c'est tout à fait normal, j'ai pas arrêté de pêcher. En fait, j'ai fait 7-8 heures de pêche, à peu près. Et même plus que ça en fait, je sais plus. Bref, j'ai beaucoup pêché, donc j'ai eu plein de doubles, j'ai eu plein de nouvelles sortes. Je vais vous montrer un peu tout ça après ce que je vais vous montrer là. Alors là, ce qu'on va faire, parce que j'avais prévu de faire des contrats de chasse, mais je vais juste vous montrer une petite astuce parce que tous les PC que j'ai eu, c'est pas uniquement en pêchant. Parce que oui, à chaque fois que je pêche un poisson, j'ai un PC. Mais j'ai regardé une astuce sur internet pour voir pour avoir des PC plus rapidement. Et en gros, alors, normalement, attends, je vais juste m'équiper du bouclier. Et on va mettre l'épée du père pour faire masse dégâts. Tac. Normalement, dans l'arbre des compétences, je sais plus où elle est. Comment ça peut le voir, sérieux. Est-ce que c'est pas ici? Je sais plus où c'est, j'ai dû l'avoir au début, loisir, oh, je sais plus. Bref, il y a un endroit où, quand tu dépenses des PC, en gros, tu as... D'ailleurs, pendant que j'y suis, je voulais m'avoir un truc absolument... Voilà, ça. Ça coûte un peu cher, j'ai dépensé tous les PC que j'avais eu, mais il me le fallait absolument. Bref, normalement, quelque part là-dedans, dans le truc de compétences, t'as un truc qui te permet de gagner un PC à chaque fois que tu one-shot un ennemi. Non, c'est pas ça, c'est à chaque fois que tu tues un ennemi avec un assaut éclipse ou je sais plus, un truc comme ça. Mais je l'avais déjà, je l'avais même pas retrouvé. Et en gros, une fois que t'as ça, et que t'as le sifflet d'attirer les ennemis. Alors, juste, on va dégager tout ça. Hop! Ouais, déjà vous voyez je gagne des PC rien qu'en les tuant. Hop, le son est un petit peu fort dans mes oreilles. Merci. Ah oui, c'est... Ouais, ok. Hop. Vous voyez que j'ai gagné déjà quelques PC, mais putain, mes câbles ils s'en mêlent partout. Vous voyez déjà que j'ai eu... j'étais à 13, j'ai gagné 10 PC, un truc comme ça. Et une fois que vous avez cette compétence là, vous équipez du bouclier pour que ça fasse masse dégâts. Parce qu'avec le bouclier, en gros, vous allez faire une onde de choc autour de vous. Ça je sais même pas d'ailleurs. Alors il n'y a pas que cet endroit pour le faire. Je pense qu'il y a plusieurs endroits, mais comme les ennemis sont faibles ici et quand t'attires les ennemis, il y en a pas mal qui spawn. Enfin pas à chaque fois, mais il y en a, voilà, par exemple il y en a 4. En gros ça va les one shot tous, parce que l'onde de choc va faire un truc autour de vous. Du coup ça va tous les one shot et là vous voyez que j'ai gagné 4 PC. Donc vous enchaînez comme ça et vous avez plein de PC. Bon, ça prend quand même un peu de temps parce que c'est tout le temps la même chose, etc. Mais voilà, et il y avait aussi une astuce pour aller encore plus vite. Parce que, en gros, quand tu finis un combat, il y a Noctis qui va faire un mouvement. Et pendant ce moment, tu peux pas attirer les ennemis. Donc, en gros, l'astuce c'est de ne pas déclencher le combat, il disait. Hop, donc là voilà, je déclenche pas le combat et direct je peux attirer des ennemis derrière et ça s'enchaîne super vite. Par contre, si. Donc, on a, voilà, là j'ai activé le combat parce que je les ai battus assez vite. Oui, Noctis va faire un petit mouvement et là je peux pas appeler les ennemis. Du coup, bah. tu perds. Très peu de temps, mais tu perds un peu de temps quand même. Voilà. Donc, voilà une petite astuce pour si vous voulez des PC rapidement. Regardez, là je suis à combien de PC? Ouais, j'ai déjà 36 PC, donc ça monte très très vite. Je pense que je farmerai comme ça pendant une heure ou deux, un jour où j'aurai rien à faire. Et comme ça on pourra acheter toutes les compétences, parce que j'aimerais bien avoir tout ça avant la fin du jeu. Enfin, avant la fin du let's play plutôt. Du coup, on va se rééquiper des armes. Tac tac tac, voilà. Enfin voilà pour la petite astuce, j'ai fait ça pendant je sais pas, quelques temps. Je dirais, bah pas très longtemps parce que j'ai gagné quoi, j'ai dû gagner une centaine de PC quoi, grand max, parce que j'en avais eu pas mal avec les poissons. Et du coup avec les poissons, je vous montre un peu tout ce que j'ai eu, parce que j'ai eu le double de ce que j'avais avant. Je suis à 70 poissons, quelque chose comme ça, pas loin. Donc j'ai bientôt fini avec les poissons, mais j'en ai PC des sacrés hein, putain ils étaient assez gros. J'ai eu un poisson qui était encore plus gros que le Mérou des Abysses et plus gros que le poisson avec la quête de Gladio, là, la quête du Gladio. Il était énorme, bah, c'était un des plus durs que j'ai eu parce que ma résistance de la ligne était à 2000, elle est tombée genre à 200, 300, enfin c'était hyper chaud.
Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, déjà niveau poisson, voilà 66. Vous voyez que j'en ai des nouveaux. Je sais pas lesquels j'avais avec vous. Je vais tout montrer comme ça dans le doute. On est plus tard, vous voyez, on est peinard. Oui, vous. On va pas en couille. Vous voyez que niveau prise, je pense que j'en ai eu plus qu'avant. Enfin, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Mais après, peut-être pas tant que ça. Mais j'avais pas mal. J'ai pêché ça. Ça, c'était assez chaud. C'était assez chaud. Bah, vous voyez déjà, celui-là était plus gros que le. Il est plus gros que... Il est plus grand que le. Je crois que c'est toi. Ouais, 206 cm et là 200. Ah non! Il est plus petit. Il est même moins lourd. Et par contre, j'ai pêché. Oh putain, j'arrive pas à parler. J'ai pêché ça. Qui est plus gros que lui. Plus grand que lui. Et j'en ai chié. C'est celui-là, j'en ai chié comme pas possible. J'en ai pêché un. D'ailleurs, j'en ai pêché deux autres. Des trucs comme ça. Là. Celui-là, c'est celui qu'on a fait avec la quête de Gladio. Là, j'avais pêché ça aussi que j'avais pas avant. Ça, on l'avait eu. Ça on l'avait pas eu, ça c'était. Il est pas très gros, enfin il fait la moitié de ce que de cela là. Mais il mettait. Il a ces deux-là ont mis du vachement de temps à capturer, j'ai un peu galéré. Enfin, il cassait pas vite ma ligne, mais j'ai un peu galéré dessus quand même. Donc là on est allé vendoise, là on est des vendoises, des truites. Pas mal de truites. Bon les poissons se ressemblent un petit peu, c'est surtout la couleur qui change en fonction des espèces. Là il y a des saumons. Je me souviens même plus que j'avais capturé ça. Là les barramundi, enfin bref, voilà, hop 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 hop, ah, voilà, Mirou Sigilien, alors celui-là était pas trop compliqué, ça allait, par contre j'ai pêché Mérou Menaçant, qui était plus long que le Mérou des Abysses, j'ai trouvé, en tout cas, bah, déjà il est plus gros et plus grand, j'ai trouvé plus dur à, enfin, il était pas très dur à avoir celui-là, parce que la ligne il la cassait pas beaucoup. Mais il était plus long, ça c'est clair. J'ai aussi le Mérou des Marais, je crois que celui-là je l'avais déjà. Il me semble. Là on a ça, des trucs comme ça on avait déjà je crois. Enfin voilà quoi. Donc j'ai quasiment tous les poissons, il m'en manque du coup, bah, si je sais compter, 34. Oui ça doit être ça. Niveau recette, j'en ai eu quelques-unes en plus. Vous voyez que je suis à 65, je devais être à moins que ça parce qu'en pêchant des poissons, il y en a certains qui me filent des recettes. Photos, j'ai pris quelques photos parce que j'ai dû dormir pour passer la nuit parce que j'avais pas envie d'attendre qu'il fasse jour. Je crois que photo. Bah, j'ai pris ça. J'ai pris ça aussi, je crois. Ou alors j'avais pris avec vous ça. Ça, j'ai pris avec vous, c'est sûr. Mais ces deux-là. Voilà. Peut-être que celui-là aussi, je l'avais pris avec vous. Je sais plus. J'ai aussi retourné à Alticia pour acheter un nouveau leurre. Par contre, ouais, on va pas le voir, je suppose. Ah, si, c'est bon. Voilà. Celui-là, j'en ai acheté deux pour au cas où je le perds. J'ai aussi. J'arrive pas à parler, c'est un truc de ouf. J'ai aussi acheté des trucs pour la Régalia. Genre des couleurs. Enfin, j'ai acheté quelques trucs là-bas. Bon, c'était pas très intéressant. J'ai aussi. Putain, j'arrive pas à parler! J'ai aussi acheté, putain, un bracelet de diamant, je crois que c'est là-bas que je l'ai acheté. Et talisman, je sais plus. Bon, bref. J'ai eu quelques nouveaux trucs. D'ailleurs, on va s'équiper d'un machin. On va mettre plutôt. Qu'est-ce qu'on augmente? Déjà, le ruban, tu dégages. Tu vas me remettre. Qu'est-ce que j'avais? On va mettre ça, tiens. Un peu de vie. Bouclier renforcé, qu'est-ce que ça c'était ça? Ça c'était la vie, un peu de force. Ah oui! Ah oui, donc on va donner de la force plutôt. Genre là, j'ai 60. Non. Ah non, non. Ça c'est de la constitution. Quoique. Oh, je sais pas. Attendez. La force, ouais, j'avais ça. On va mettre ça et là on va plutôt mettre de la constitution plus que de la vie. Quoique, non. Non, on va rester comme ça. On va dire que c'est plutôt pas mal. Là, il y a un peu de vie, un peu de force, un peu de vie. Et là, un peu de force. Alors, je changerais bien ça pour plutôt mettre ça. Voilà. On va essayer comme ça. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je crois que je vous ai à peu près tout dit ce que j'ai fait pendant ces longues heures de, de farm, entre guillemets. Aptitude de Gladio a dû augmenter un petit peu. La magie 1 de spécial. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Et aussi pour l'expérience. Parce que je vais aussi regarder une vidéo pour avoir de l'XP rapidement. Parce que si jamais je me retrouve. Dès qu'on a fini tous les trucs de bas niveau, entre guillemets. Enfin, qui n'est pas 80, niveau 99. Je ferai l'astuce pour avoir plein d'XP rapidement. Pour pouvoir faire tout ce bazar. Mais ça, je le ferai hors cam. Parce que ça prend aussi du temps. Mais ça va plus vite ce que je faisais quand même. Mais je vous montrerai l'astuce.
je m'en souviens même plus, mais il y a une astuce bien particulière. Enfin, je vais vous faire une petite idée. Je vais vous retrouver à les contrats de chat. Je sais pas trop où je vais aller. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il y a plus de sites de pêche. En fait, avec le chocobo, si tu traverses les. Bah, toute cette partie-là, tu peux accéder à d'autres points de pêche. Et là, bah, c'est surtout là que j'ai pêché. Hein. J'ai pêché pas mal de poissons ici. J'en ai pêché ici aussi. Là, je crois, il me semble, là aussi. Et j'ai pêché aussi un ou deux poissons sur ce. Ah oui, j'ai pêché. Putain, j'arrive pas à parler! J'ai pêché le mérou effrayant ou je sais plus quoi là. Ici et là-bas, j'ai pêché la carpe. Je sais plus quoi de l'aube. Voilà. Pour info. Bref, je vais faire une livre. Je vais aller à un contrat. À un endroit où on peut avoir des contrats de chat. Je pense que je vais retourner à l'Estaloum. Parce que je crois qu'on n'avait pas tout fait, je sais plus. Enfin, je vous fais une idée, je vous retrouve à un contrat de chasse, voilà. Donc à tout de suite. Ok, au final, je suis retourné à Meurette parce qu'à l'Estaloum, on avait tout Tu vas fait. faire Enfin, il des nous en courses? restait un, mais c'était level 99, J'arrive. donc... On va se calmer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, on va accepter... Alors, juste Vous attendez, pouvez je vais éliminer la quitter vermine? Facebook parce que si ça sonne, ça va me faire chier. Bref. Du coup, donc on a deux contrats de chasse. Celui-là, bah, on pouvait pas le faire la première fois, je crois, parce qu'il fallait faire un donjon et on l'avait pas encore fait, il me semble. Bon, ça, c'est la dame en Kélon, le truc trop dur. Et celui-là, fallait être grade de 6 ou grade 5, je sais plus. Bref, on va accepter celui-là et après, on va Dites refaire donc, ces deux-là. vous êtes courageux. Et oui. On va faire ces deux-là et après, on passera à Surtout, pas d'imprudence. un autre lieu. Du coup, je vous fais une petite et je vous retrouve là-bas tout de suite. Ok les gens, on arrive. On voit le behemoth. On voit qu'il est en train de dormir. On va l'attaquer par derrière. Par surprise. Est-ce qu'il va se réveiller? Ah ouais, putain, le bâtard, il se relève. Oh, bon, de toute façon, il va être super simple normalement. C'est pas un gros level. T'as raison. C'est un level. Bonjour. Il a de la gueule. Level 47. Coucou. Ah oui, je prends épée de main, c'est sa faiblesse. Donc voilà, ouais, on le défonce littéralement quoi. On le défonce littéralement. Mais bon, c'est. Oh, c'est imposant quand même en behemoth, comme d'habitude. Hop, merde. Par contre, les épées de main, c'est compliqué de parer parce que tu peux pas parer en même temps que tu frappes. Alors qu'avec l'épée à une main, tu peux. Genre, même si t'as donné un coup, tu peux dire derrière. Tu peux derrière le. Parer. Alors que là, faut que attendre que. Noctis se replace, machin. C'est un peu chiant. J'aurais dû utiliser la technique de Gladio, je pense que ça aurait été plus adéquate. Mais bon, une fois que Prompto sera frais, on sera peinard. Hop. Et hop, lésion. Bon, il est vraiment pas compliqué. Hein. Pour le coup, level 47, il a quasiment la moitié de notre level. Et dire qu'avant, on galérait là-dessus. Sur ce genre de monstre. Bon, bah, du coup, je vous refais une ellipse pour. Pour aller. Ah, attendez, est-ce qu'on a déjà affronté un curl? C'est exactement comme dans King's Knight. Enfin, à part dans les donjons. Ouais, bon, on va lui arracher la gueule. Ouais, bon, tant pis. Pas la peine. Bref, je vous fais une ellipse. Du coup, je retourne voir Taka. Je suis appuyé des noms. Je crois que c'est Taka. Ouais, on va retourner voir Taka pour faire son deuxième contrat de chasse. Et après, on partira je ne sais pas où. Bon, bref, je vous dis à tout de suite. Ok, on est arrivé. Bonjour Taka. Oh, comment ça va, les gars? Ça va. On n'a pas trop galéré. Et dire fallait être travail. grade 6 pour le faire ce truc ou grade 5, attends, je veux dire ça. Fallait être grade 6, ouais, j'ai Karl. Franchement, t'aurais été grade 3, ça aurait été pareil. Hein. Bref, acceptons Qu'est-ce que je vous sers maintenant aujourd'hui? le. Apparemment, j'ai peur que ça soit dans Ces le donjon du monstres nous coup. laissent pas une minute de tranquillité. Ah, mais Merci non, c'est le d'avance. dragon. Il va falloir y retourner. Prenez soin de vous. Ah, j'ai pas envie. Ah, j'ai pas du tout envie. Ah oh oui, c'est dans le donjon. Bon, bah une grande ellipse du coup, parce que le temps que j'y accède, ça va mettre 15 plombes, je sais même plus comment... Ah si, c'est bon. Ouais, par contre, le plus dur, ça va être de remonter en fait. Ah non, je pourrais sortir direct. Oh, ça va aller vite en fait. Bon bref, je vous fais une ellipse, je vous retrouve du coup au boss, à tout de suite. Ok. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston Je suis enfin arrivé. Bonjour mon gros. Alors qu'est-ce qu'il aimait pas déjà? Immunisé contre le feu, d'accord. Donc il n'a pas vraiment de faiblesse, c'est ça que ça veut dire. Bon, on va se le faire rapidement. Hop, voilà. Déjà rien qu'avec ça, on devrait le mettre bien, bien au fond.
Et d'ailleurs, je suis entré dans le donjon, il m'a dit hey, il faut déverrouiller la porte. J'ai fait ah oh, bah viens, on fait ça après, au pire, comme ça on est tranquille. Level 92. Alors, pas que j'ai peur de me faire défoncer. En fait, si, j'ai peur de me faire défoncer. Mais j'aimerais bien les faire un minimum dans l'ordre quand même. Non, parce que level 92, il y a déjà d'autres levels avant, je crois. Regardez ce qu'on a avant. On a ça à faire, ça à faire. Donc le 92, on le fera plus tard, mais ouais, du coup, faudra redescendre ici, ça fera plus chier, mais bon. Ce n'est pas bien grave. Alors lui, on l'avait tué, je crois, avec Ramu, je crois. Et on l'avait fini comme ça, parce qu'il était trop long, je sais plus, il y avait un truc comme ça. On va faire l'indication, parce que le truc de Ignis est mort. J'aurais peut-être dû faire le truc de Prompto, en fait. Ouais, non. Hop, ça ferme bien mal, là. Hop, ah, ça y est, il est en feu. Ah, il pouvait être en feu, ça, je sais même pas. Je savais qu'il envoyait des trucs de feu, c'est tout ce que... Ouh, c'est quoi ça? J'ai paré. J'ai paré, ça se fait pas. Alors, méga élixir. Ok, ça fait bien mal. Mais bon. On s'en branle. Pardon. C'est pas beau ce que j'ai dit. Elle est ratée. Hop. Elle est quasiment mort. Il est quasiment mort. Et voilà. Toujours en vie. Je crois que nous avons trouvé notre cible. Ouais, il y a des ennemis qui viennent me faire chier. Comme ça, je peux pas partir du jour tout de suite. C'est génial. Bon, c'est pas. Je vous fais une petite et je vous retrouve du coup au prochain. Je pense que. Je me. Je vais faire une ellipse, faut que je me bouge, putain. Et on se retrouve au prochain truc de contrat de chasse. Donc à tout de suite. Ok, on est arrivé. Alors, on revient ici. Alors, je me pose une question. Non. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait. Qu'il y ait. Les gens de l'autre fois là, mais apparemment non. C'est la tristesse. Hop, donc ça c'est fait. Vous êtes vivant. Oui, on est vivant. Je sais même pas si c'est ce qu'il... Je crois que c'est même pas ce qu'il a dit, je sais plus. Oh nice. En plus je passe grade de chasseur 7. Vous recevez une récompense pour un torque noir. C'est pas le truc qui nous empêche de nous prendre des dégâts là. Enfin qui nous fait esquiver. J'en ai déjà un, je m'en fous. Du coup bah, il nous reste le Pampa. Ah les Pampas ça donne plein d'XP je crois. Enfin dans le... Dans le combien c'était? Dans le 10? Non, pas dans le 10. Je sais qu'une fois j'avais affronté un Pampa et ça avait donné la plein d'XP. Alors, je vais refaire une ellipse pour ça, mais je vais jouer au mini-jeu. Parce que je peux avoir une récompense qui m'intéresse. Mais je sais pas comment faut faire. Enfin, je vais voir comment ça se passe. Je vais... Attends, le grand méchant, qui est... Heureusement, c'est que je suis... Ok, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Donc, je vais faire ça. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vais essayer d'aller au dernier niveau, même s'il y en a un. Enfin, je vais voir. Je vous fais une idée, je vous retrouve tout à l'heure. Ok, je vous retrouve. Alors, on va. Attendez, que je fasse pas de conneries. On va quitter. Normalement, là, je vais avoir des trucs. Oh, pas de temps. On verra ça la prochaine fois. Mais sois sympa, Elixir, ok. Et c'est tout. D'accord. Bon bah je sais pas comment ça marche. Je sais absolument pas comment ça marche, j'ai joué au moins 20 minutes à ce truc de merde et je sais toujours j'ai pas compris comment ça marchait. Bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave, allons faire notre contrat de chasse là-bas. Ouais bon je vous fais aller, je vous retrouve là-bas tout de suite. Prompto. Ok on est parti alors. Ouh mais c'est les grands pampas. Pichour. J'ai trompé, enfin j'ai pas... Mais oh et arrête de fuir. Arrête de fuir! Aïe! Aïe! C'est ça qu'il disait! Il avait écrit. Peut se trouver un besoin et utiliser l'attaque qui inflige 1000 points de dégâts. Moi je pensais que c'était l'attaque en entière qui fait. Ça m'a fait bien mal. Hein. Bon bah. Pas de choix. Je vais allumer la tronche comme ça, y a pas 36 000 solutions. Allez, je vais au moins en tuer un. Si c'est possible. Fais le combo. Merci. Ok, on a à moi tué un, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Aïe. On va voir ce qu'on peut faire, mais bon,
Je sens beaucoup les potions qui vont être utilisées. Hop. Pompa, il s'enfuit. Regardez, il est en train de glisser en bas à gauche. On va utiliser Prompto. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, quoique. Au moins, je suis quasiment sûr de toucher. Alors que vu la vitesse, à mon avis, Gladio, il n'aurait pas fait. Il ne les aurait pas touchés, je pense. Alors, par contre, je prends extrêmement tarif. La folie l'a emporté. Elle m'a emporté, mais je m'en sors pas trop mal. Je prends tellement tarif. Et plus qu'un. Bon, d'accord. J'avoue que gratte 6, c'est pas indispensable, mais c'est conseillé quand même. De toute façon, on est obligé de l'avoir pour les affronter, mais voilà quoi. Allez. Ok, ça c'est fait. Tu me donnes combien de points d'XP? 7000, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, bon, du coup, je vous refais une ellipse. Je crois qu'on avait tout fait, donc je vais aller autre part. Bon, de toute façon, il faut que j'y retourne. Donc, je vous fais une ellipse, je vous retrouve au prochain contrat de chasse. À tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve à l'aire de repos de Cotes. Parce qu'il y a 2-3 contrats de chasse qu'on ne pouvait pas faire et qu'on peut faire maintenant. Messieurs. Bienvenue. Hop, les pampas, c'est fait. La récompense, c'était combien? Ok. C'est pas beaucoup, mais c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors, donc normalement, je vais en avoir au moins 2 à faire, si vous je dis pas de bêtises. Affamé, j'imagine. 3 et celui-là, ok, celui-là, je peux pas le faire de façon. Ah non, non, c'est pas celui-là. J'allais dire, de toute façon, il est beaucoup trop dur, mais non, on peut se le faire. Donc, on va faire les 3 là, après, on s'arrêtera pour cet épisode. On n'a pas fait grand-chose, je Bonne crois, chasse, mais je crève de chaud, en fait, tout simplement. Oui. Et puis, en plus, on va jouer au mini-jeu de Trombonstro. Mini-jeu de. Justice, Monster, Fire 5, je sais pas quoi. Ça a pris du temps, mais ouais, je crève de chaud et je peux pas me mettre le ventilo pendant la vidéo, donc on fait ça et après on s'arrêtera là. Donc je vais vous faire une petite ellipse, je vous retrouve là-bas tout de suite. Ok, on est arrivé. Bon, j'essaye beaucoup de me déplacer à pied, enfin, j'ai suis allé en galère jusque là, mais genre j'essaye vraiment de me déplacer à pied pour augmenter l'aptitude de Gladio, comme ça ça montera plus vite. Bon, je garde quand même les chocobos. C'est pour info que je vous dis ça. Je garde quand même les chocobos au cas où j'ai la flemme. Ce qui arrive souvent. Mais pour vous dire que la petite Gladio, faudra que je la mette à fond quand même. Hein. J'y travaille. De toute façon, si c'est toujours pas à fond avant le dernier épisode, je vais traverser toute la map. Hop. Je vais traverser toute la map à pied. Comme ça, je suis quasiment sûr que ce sera bon. Ça va me prendre 100 ans, mais bon. Alors ils ont frénésie sur eux, donc ils sont pas très résistants. Enfin, il y en a certains qui ont frénésie sur eux. Donc, ils sont pas très résistants, ils font mal mais ils sont pas très résistants. Mais comme on a un level bien supérieur au leur, bah ça sert pas à grand chose. Hop. Allez, il y a quasiment 2 de mort là. Voilà. Et on va faire une petite éradication, tiens. C'est ce qui me paraît le plus adéquat. Ah ouais, par contre ils sont derrière Gladio. Là t'en as eu que 2. C'est pas grave. Ça fait bien mal, hop. Il ne reste plus qu'un seul et ça sera bon. Allez, 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 quasiment mort. Hop, et... raté. Bon, c'est bon. Voilà. Combien d'XP? Ah, ça pue un peu la merde, oui, effectivement. Bref, je vous fais une petite idée, je vous retrouve pour activer le prochain contrat de chasse. Donc à tout de suite. Ok. On est arrivé. J'espérais bien vous revoir. Du coup, le plocher va être un monstre un peu plus. Enfin, là c'était des monstres, là ça, je pense que ça va être un. Va être un peu plus complexe, du coup. Qu'est-ce que Alors. Je vous sers Ah non, bah non, plusieurs. Attendez, on va faire celui-là. Ouais, ah. Je vois. Celui-là va mettre un peu plus de temps. Ça risque de pas être facile. Soyez prudent. Oui, on va faire celui-là. Je suppose que c'est dans le donjon, encore une fois. Oui, ça a l'air d'être en sous-sol. Ouais, bon, bah, je vais faire une grosse ellipse encore. Je vous retrouve du coup pour l'affronter, donc à tout de suite. Ok, les gens, après m'être tapé le labyrinthe super long, super chiant, que je n'avais pas prévu de me retaper parce que je pensais que j'allais pouvoir prendre un petit raccourci, mais apparemment non. On arrive enfin en boss, alors je vous préviens, je fais le one shot direct, hein, je vais pas attendre 15 plombes parce que
Après on va s'arrêter parce que là je vais devoir jouer, enfin je veux jouer Overwatch, mais je vais devoir jouer Overwatch maintenant parce que après j'aurai pas le temps, enfin ma soeur ira se coucher, du coup on pourra plus jouer. Enfin voilà, du coup ce sera le dernier boss aujourd'hui, donc on va le tuer rapidement, comme ça on n'en parle plus. Je m'excuse si ça casse le contrat de chasse, mais bon. Par contre, tu me laisses te tuer. Et je sais pas si ça va le tuer en plus. Si ça le tue pas, je suis trop deg. Alors, est-ce que ça va le tuer? Ça ne le tue pas. D'accord. Tu veux jouer à ça? Ah merde, j'avais oublié ce détail. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme d'hab. Hein. Par contre, du coup, je vais tester ça, je vais remettre genre un truc de ce style-là. Voilà, comme ça on fera un peu plus mal. Merde, je pouvais plus rebouger, j'ai pas eu. Hop. Comme ça, on le tue beaucoup plus vite que la première fois. Hein. Je me souviens que la première fois, on avait mis tellement de temps à juste le mettre mid-life et après on avait fini avec Ramu. Je crois, il me semble, tout un truc comme ça. Enfin, mais même ça, ça va pas le tuer, quoi. Ça va pas le tuer. Hop. On va faire ça. Tac 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 tac. Et on va enchaîner avec un enfièvrement, tiens. Parce que c'est stylé. C'est même pas le feu de mémoire. Pas du tout, il adore le feu. Ok. Mauvais choix. Les épées à deux mains, est-ce que t'aimes bien? Non, t'aimes pas ça. Je vais utiliser plus les épées à deux mains. Hop. Enfin, il est en PLS. Il veut dire qu'on avait galéré la première fois. Enfin bon, au moins on aura fait ça, on n'aura plus besoin d'y retourner. Je déteste vraiment refaire les donjons que j'ai déjà fait, c'est hyper chiant. Tout ça pour tuer un vieux monstre. Allez. Ah, fais-le! Je suis concentré là. Aïe. Bon, méga F. Non. Aussi. Oh non, putain, sérieux. Ah, c'était pas le moment. Je peux rebouger. Je peux plus en plus la caméra, elle fait n'importe quoi. Ok. Méga élixir pour tout le monde. Voilà, nickel. Il va finir avec une petite éradication de Gladio. Je sais pas si ça va le tuer, mais ça devrait lui faire quelques dégâts quand même. Et ça dégage, voilà. Je m'étonne moi-même parfois. C'est la taille de ton ego qui m'étonne. Magnifique. Honnêtement, ouh. Le plus étonnant, c'est qu'on s'en soit tiré. Bon bah c'est bon, on est peinards. C'est fait. Bon bah voilà, petit contrat de chasse du coup. Bah, je vous fais un ellipse, temps de retourner pour le valider. Après on s'arrêtera là pour cet épisode. Pour les prochains épisodes, on fera peut-être un... attends, j'ai besoin de ressortir. Donc je vais prendre le TP. Voilà. Du coup, prochain épisode, je pense qu'on fera un petit dernier contrat de chasse. Et après on fera un petit dédale. Comme ça on se mettra bien, enfin genre un contrat de chasse, le contrat de chasse qui nous reste quand on le fera. Et après on fera le dédale 78. On fera ça. Bon bah du coup je vous fais une petite île, je vous retrouve. Ah c'est celui-là, ok. Je vous fais une petite île, je vous retrouve pour valider le contrat de chasse, à tout de suite. Ok, on est arrivé. Alors. Non c'est bon, je m'en fous de ça. Alors bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue au Crow's Nest. Merci. Vous avez survécu. Bon, du coup, on a reçu des trucs sympathiques. Fort sympathiques, même. Alors, maintenant que ça s'est fait, on va vite fait accepter notre contrat de chasse et après on va s'arrêter parce que. Alors, vous êtes il faut que je joue à Overwatch. Putain, j'ai tourné 1h30 et j'ai l'impression qu'on a rien foutu. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, à laisser les commentaires. Prochain épisode, du coup, on fait ça. Et on fera un dédale, et si on a encore un petit peu de temps, on essaiera de faire la quête de Randolph, que je crois que je vous ai dit qu'on ferait à cet épisode-là, mais du coup, je viens de m'en rappeler. On va sur ça, d'ailleurs, elle est où, sa petite quête? Ah bah en plus, elle est à côté. Mais on fera peut-être ça en premier. Enfin, on fait ce contrat de chasse-là, et après on fait ça. Et après, on fait ce dédale-là. On va faire ça. Bon, du coup, j'espère que ça va plu, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!